Ces 48 heures ont été marquées par les propos du président, son Excellence Nana Addo du Ghana, sur une prétendue passation de marché entre le gouvernement de la transition et une société privée russe. Face à une telle situation, la démarche logique voulait que nous convoquions dans l'urgence l'ambassadeur du Ghana à Ouaga, mais aussi notre ambassadeur à Accra pour consultation. Nous avons écouté l'ambassadeur du Ghana à Ouaga et lui faire savoir la position du gouvernement qui juge très grave les propos venant d'un chef d'État de surcroît d'un pays ami voisin, mais aussi un pays avec lequel nous partageons tant d'histoires, tant de défis et tant d'objectifs. Nous avons fait savoir donc à l'ambassadeur du Ghana au Burkina que le Burkina est profondément affecté par ces propos de son Excellence M. Nana Addo, parce que nous estimons que, étant donné l'histoire et les liens qui unissent le Ghana et le Burkina Faso, au lieu d'évoquer des situations de ce genre, il lui fallut qu'il parle plus de la famille, et de la communauté, de destin, de défis qui lient les deux pays. S'agissant de notre ambassadeur à Accra, il nous a fait un rapport dès qu'il y a eu ces propos. Et donc, nous l'avons convié aussi pour consultation, pour qu'on puisse ensemble examiner quelle est la suite réservée à ce dossier. Dans tous les cas, une note verbale de protestation a été adressée à la République du Ghana via sa représentation nationale.